Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la seconde pour être plus précis, sur la représentation d'un écosystème marin, donc toujours en partenariat avec Libellule. Et donc aujourd'hui je vous propose la représentation d'un poisson très venimeux, plus connu sous le nom de poisson-lion. De son nom scientifique Pteroi volitans, on le retrouve également dans ce qu'on appelle les rascasses volantes, qui regroupent trois espèces de pterois et qui ont chacun leurs propres caractéristiques. On le retrouve de 2 à 55 mètres de profondeur dans les océans Indien et Pacifique. Contrairement au chelmon qui est le spécimen représenté dans la vidéo précédente, le Pteroi volitans atteint les 35 à 38 cm en taille adulte. Ce poisson possède des épines très venimeuses, ce qui rend les piqûres très douloureuses. Il faut également savoir que certaines piqûres peuvent être mortelles si elles ne sont pas prises en charge assez vite. Pour ce qui est de ses caractéristiques physiques, ce spécimen possède un corps blanc, avec des rayures marron ou orangées qui dépendent de son milieu d'habitat. Je représente également la seconde partie des coraux afin de structurer l'autre partie de la réalisation. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le poisson chelmon, je vous invite à aller la regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de suivre ce projet en partenariat avec la youtubeuse Libellule, dont vous pouvez retrouver le lien de la chaîne dans la description, ainsi que l'intitulé du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Ciao!